Bonjour à tous, chers amis, c'est Vahé. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto d'installation de mode. Je vais vous montrer comment installer le mode Empire 2 Total War pour Empire Total War. Donc voilà, allez sur mode DB. Il faut taper Empire 2 Total War mode. Vous cliquez sur le premier lien, c'est celui-là. Vous allez dans Files, vous téléchargez tout ça. Après, une fois que c'est téléchargé, vous allez sur le téléchargement, il faut WinRAR d'ailleurs, hein, c'est important. Voilà. Vous avez ça. Il faut tout extraire. Alors moi je vous conseille, avant d'extraire tout ça, de créer un dossier spécial. Vous pouvez l'appeler n'importe comment, ça importe peu. Vous déplacez tous ces fichiers en les extrayant dans ce dossier-là. Ça sera plus pratique pour après. Une fois que c'est fait, moi je vous conseille dorénavant de télécharger le patch en cliquant sur le drive Google qui est là. Donc ça, gardez-le pour la fin. Une fois que vous aurez installé le mode, on va installer ça très facilement, vous allez voir. C'est pas compliqué. Voilà, donc vous avez tous vos fichiers .bin que vous avez fini d'extraire. Ça a peut-être pris un certain temps parce que ça fait 60 gigas en tout à peu près. Donc cliquez sur l'application qui s'appelle Empire 3.4, non 4.3. Attendez, c'est celle-là, voilà. Vous cliquez là-dessus. Vous attendez que le launcher d'installation installe tout ce qu'il faut. Et puis après, à la fin, vous faites terminer. Ça va vous donner dans votre dossier créé pour l'occasion, Empire Total War, avec tous les dossiers qu'il faut. Ça a dû aussi vous mettre le dossier script qui est là-dedans, ou bien qui est peut-être ailleurs. Normalement, il devrait être là-dedans, et si votre fichier script, vous ne le trouvez pas, il est sûrement caché quelque part, pas très loin, sous vos yeux. Donc voilà, c'est important de l'avoir. Sans ce fichier là, ces fichiers, ça sera pas possible d'installer le mode. Donc une fois que vous avez ça, je vous conseille d'aller dans le guide d'installation que les modeurs ont fait, que vous pouvez trouver dans le dossier Empire. Je sais plus exactement, je crois que dans submod vous pouvez le trouver. Je vais vous montrer directement si j'arrive à retrouver mon dossier. Alors, si je le retrouve déjà, ce serait bien. Ce n'est pas ça. Ah voilà, c'est bon. Donc dans ce mode, vous avez le guide d'installation qui est en anglais. Donc pour commencer, le plus important, c'est de réinstaller votre jeu de manière propre. Donc vous faites comme c'est écrit à l'écran, vous allez sur Steam, vous faites un clic droit sur votre jeu dans la collection, vous faites gérer, vous faites rechercher les fichiers locaux, et donc ça va vous afficher le chemin suivant. Si vous avez votre jeu sur votre disque dur, si vous avez le jeu sur votre disque externe, ça sera la même chose, mais sur votre disque externe, avec le même chemin, mais sur votre disque externe. Donc ensuite, vous allez sur Empire Total War, vous reculez d'un niveau, vous êtes dans Common avec tous vos jeux. Donc, pour retextualiser, ça vous fait ça, Common. Là, je suis pas dans les bons dossiers. 36. Moi, personnellement, je suis dans le disque dur externe. Steam App Library, Steam Apps, Common. Et donc là, vous avez tous vos jeux. Et donc, vous avez votre jeu Vanilla Empire Total War. Vous faites un clic droit, vous le supprimez. Et après, une fois que c'est fait, vous allez dans votre barre de recherche. Vous tapez App Data, pourcentage App Data. Voilà.
Alors, c'est important de l'écrire en majuscule, sinon ça vous fait une recherche Google. C'est pas ce qu'on veut. Donc, vous faites up data pourcentage. Voilà, vous faites ouvrir. Ça vous met votre dossier roaming. Vous allez dans Creative Assembly. L'appareil en pierre, vous supprimez. Et avant de continuer, sachez une chose, c'est que là, tout ce qu'on fait, ça supprime vos dossiers. Ça supprime vos sauvegardes du jeu Empire Total War. Donc, si vous avez des sauvegardes importantes, faites une archive pour ne pas les perdre. Voilà, normalement, si vous avez bien tout lu, ils le disent ici, hein. Normalement. Je crois qu'ils le disent au début, si je dis pas de bêtises. Bref, je mettrai en tout cas en description de ma vidéo YouTube un petit disclaimer. Je le mettrai en majuscule. Après, si vous n'avez pas lu, c'est pas de mon ressort. Donc, ensuite, une fois que ça c'est fait, pour réinstaller votre jeu, il faut, oui, c'est ça, il faut aller dans Steam. Voilà, vous faites clic droit, propriété, fichier installé, vérifier l'intégrité des fichiers du jeu. Attendez quelques secondes, et normalement, ça va vous lancer un chargement. Donc, c'est votre jeu qui est en train de se redownload. Voilà, donc une fois que c'est fait, je vous conseille de lancer votre jeu, voilà, pour tester, pour voir si tout fonctionne correctement. Et si le jeu Vanilla fonctionne correctement, une fois qu'il a été réinstallé, bien sûr, faites ce test-là. Si ça fonctionne bien, bah c'est nickel, on peut passer à la suite. Après, il faut installer les prérequis. Vous allez dans le dossier Empire Total War qu'on a obtenu là, qui est dans votre dossier spécial que vous avez créé pour l'occasion. Alors moi, je sais plus où est-ce qu'il est. Je crois qu'il est sur mon bureau. Ce sera plus rapide. Je crois que c'est celui-là. Voilà. Ah non, c'est pas ça. Autant pour moi. C'est dans votre dossier. Bon, je vais pas y aller pour pas perdre de temps, mais vous êtes dans le dossier en question. Dedans, vous avez le dossier qui s'appelle Preferences. Et dedans, vous avez tout. Vous avez un dossier qui s'appelle, un fichier qui s'appelle Install All. Vous faites installer tout. Vous attendez un petit moment, le temps que l'ordinateur le fasse. Et puis après, c'est bon. Bon, maintenant, passons à la suite. Donc là, l'installation du mode commence. Donc je vais essayer de vous résumer grossièrement tout ça. C'est très simple en fait, hein. Il faut aller dans voilà, le dossier Empire Total War. Alors, je vais le retrouver. Empire Total War. Voilà, Common, Empire Total War. Donc enfin dans votre cas, vous avez sûrement votre dossier spécial créé pour l'occasion, que vous avez appelé peut-être comme moi Empire 2, et vous avez votre dossier. Vous faites copier. Voilà, vous copiez. Et ensuite, il faut le coller dans le chemin qui mène à votre jeu. Donc soit c'est programme 86 Cmaps Common. Vous faites coller dans Common. Et donc à ce moment-là de votre process d'installation, vous n'avez pas le dossier Empire Total War, hein, vous avez juste votre dossier spécial créé pour l'occasion. Donc en fait, vous faites juste un copier-coller de ce dossier à cette page-là, à la page Common. Donc vous faites coller. Ça va prendre un certain temps parce que les fichiers du dossier sont assez lourds. Et une fois que c'est fait, et bah, vous acceptez pour ce qui est de remplacer les fichiers du jeu. En fait, vous dites oui pour tout. Quand ça vous propose, oui, voulez-vous remplacer les fichiers car ils sont identiques, vous faites oui. Si ça vous le redemande, vous faites oui. Et voilà. Et donc là, c'est installé à moitié. Et pour finir l'installation, il faut aller dans Script.
Ouais. C'est dans le dossier script qui est là. Voilà, vous faites pareil. Script, vous faites copier. Copier le dossier script. Copier tout dans le dossier. Et pareil, vous faites la même manip que tout à l'heure. Vous faites pourcentage app data. Oula, app data plutôt, c'est mieux. Voilà. Faites entrée. Faites, voilà, ça vous met le parcours. Creative Assembly. Donc là, normalement, vous n'avez même pas votre dossier en pierre. Ah si, non, je raconte n'importe quoi. Vous l'avez normalement, car vous avez réinstallé le jeu. Voilà, vous faites coller. Et donc ça va remplacer le dossier script vanilla par le dossier script modé. Et vous faites oui pour tout. Voilà. Et là, c'est presque installé. Enfin, c'est installé, mais il faut installer la mage. Et pour la mage, c'est pas compliqué. C'est un peu le même process. Vous allez sur moddb, comme j'avais dit en début de vidéo. Vous cliquez sur Drive. Voilà, donc là, vous avez ça. Vous faites clic droit pour télécharger le guide. Voilà. Donc c'est celui-là. Il vous explique tout et ils disent bien, hein, make sure to have installed the base version v4.3 from MondDB. Donc ça c'est à faire à la fin. C'est pas pendant ou avant, c'est à la fin. Donc une fois que vous avez tout fait, que ça marche bien, bah vous installez la mage. Donc vous cliquez, faites un clic droit sur Empire. Un clic droit là, télécharger. Ça va vous donner quelque chose comme ça. Voilà, c'est ce fichier-là. Il faut extraire ça vers votre dossier common en fait. Tout simplement. Il faut l'extraire vers. Ouais, je crois que c'est common, Cmaps. Common. Voilà, common ou. Faites extraire et donc ça va vous demander de remplacer les fichiers identiques. Donc vous faites oui à chaque fois et après c'est bon. Normalement le mode a été installé et vous pouvez l'installer normalement. Et après si vous voulez installer des submodes, tout est expliqué dans la dernière partie du guide. Alors moi je pourrais pas vous aider pour le late campaign start pour ce submode là. Celui-là non plus je pourrais pas vous aider parce que je ne l'ai pas installé. Ah oui d'ailleurs ne cliquez jamais sur ce bouton là si vous allez dans le dossier Wally, vous allez dans le launcher, ne cliquez pas là-dessus. Ça va corrompre tout le process qu'on vient de faire. Donc ne cliquez pas dessus. Si vous voulez activer le réapprovisionnement des troupes lors des tours, il suffit d'aller dans le fichier, le dossier Total War, Empire Total War. Il faut trouver le fichier nommé IT Norep Pack. Il faut le supprimer, c'est bon. Ça n'a pas l'air compliqué. Moi je l'ai pas fait, mais ça n'a pas l'air compliqué. Pour ce qui est de ça m'a l'air pareil, c'est le même process. Faut supprimer un fichier du nom de itnoarc.pack qui se trouve dans ces programmes file 86, Steam, Cmaps, Common, Empire Total War. Et Larger Front, je ne l'ai pas installé non plus. Mais je crois que c'est un copier-coller qu'il faut faire. Donc si vous lisez bien l'anglais, suivez ça de pas à pas, ça ne va pas être trop dur non plus. Le 40 Unit Armies, je n'ai pas fait, donc je vais pas vous dire de bêtises, mais je vous laisse quand même, voilà, mettez pause, si ça peut vous aider. Remove sprite from battle, je ne l'ai pas fait non plus, donc je pourrais pas vous aider, donc j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Shaders better graphics, je ne l'ai pas fait non plus, donc je vous dirai pas de conneries là-dessus, mais moi je peux vous aider essentiellement sur deux trois trucs. C'est pour le more men per units. Je vais vous montrer comment l'activer et le Free Camera in Battle. Et je vais aussi vous montrer comment
débloquer les qualités graphiques avancées du jeu, parce que comme c'est un jeu assez ancien, c'est mal optimisé sur le nouveau setup. Normalement, en fait, votre qualité graphique, elle est bloquée sur moyen. Et pour réactiver ça, pour pouvoir mettre la qualité graphique en ultra, en fait, c'est très simple. Il faut aller dans Script, dans ETW de Script. Non, User Empire Script, pardon. Donc, pour la qualité graphique. Voilà, qu'est-ce qu'ils me font? Voilà, pour la qualité graphique, il faut aller dans la ligne GFX Video Memory. Je crois que c'est la 11e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Normalement, de base, il y a un 0. Vous remplacez cette valeur par celle-ci. Mettez pause et remplacez le 0 par celle-là. Voilà. Faites enregistrer. Voilà. Après, pour la More Men Per Units, pour avoir plus d'unités dans vos unités, il faut remplacer la valeur par défaut. Donc c'est la ligne GFX Unit Scale. GFX Unit Scale, où est-ce que c'est? C'est là. Voilà, c'est à 0, un peu comme vous. Vous remplacez par 3. Vous faites enregistrer. Voilà. Après, pour le Free Camera in Battle, c'est la ligne Camera Type. Il faut changer la valeur par défaut de 0 à 2. Il faut juste bidouiller des lignes de code. C'est pas compliqué. Il faut juste réussir à lire tout ça. Alors, elle est où cette ligne? Camera type, où est-ce qu'elle est? Camera type. Camera type. Je crois que c'est dans le coin là. Ah, c'est là. Donc j'ai soit 1, soit 0, remplacé par 2. Et vous faites enregistrer. Voilà. Et normalement, votre mode devrait fonctionner. Donc je vais vous montrer ce qu'on a quand même. Donc si vous avez des questions, je vais lancer le jeu. Mais si jamais ça ne marche pas, vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais essayer de vous aider en commentaire. Et si jamais ça ne marche pas, petit conseil, si vous tentez de le réinstaller, que vous êtes courageux, que vous voulez à tout prix l'installer ce mode, mais que vous n'avez pas réussi la première fois, pour refaire la première étape lorsqu'on extrait les fichiers .bin sur WinRAR, il faut pas les réextraire depuis ce même dossier où vous l'avez déjà fait, sinon les fichiers seront corrompus. Et ça ne va pas marcher pour installer le mode dans un premier temps. Donc il faut réinstaller tous les fichiers pour avoir les mêmes fichiers, mais non corrompus, quoi. Sinon ça ne marchera pas. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, si vous avez tout installé comme j'ai dit, tout désinstallé le jeu correctement, vous avez fait ça correctement, ça marche. Normalement. Si vous avez tout fait dans l'ordre, comme il faut, ça devrait être nickel. Et donc voilà, je vais vous montrer quand même petite différence avec le jeu en vanilla. Moi, c'est un jeu auquel je n'ai pas trop joué parce que le jeu vanilla m'a jamais vraiment très hypé. Mais ce mode a l'air pas mal. Je le connais pas encore des masses parce que j'ai fait qu'une bataille pour voir si ça marche. Mais je vais sûrement en faire un let's play à mon avis. Je sais pas encore avec quelle faction. Peut-être avec la Prusse, ça me tente très bien. Mais je vais faire un let's play là-dessus, à mon avis. Ça modifie quand même pas mal de choses, et ça rend le jeu beaucoup plus intéressant. Et ils ont fait un travail de ouf. Donc voilà, vous avez le mode. Vérifiez dans les graphiques. Normalement, en ayant fait de la manip, vous avez débloqué la qualité graphique maximale. Je vais baisser un petit peu le son de mon jeu. Et puis après, bah voilà, vous avez quand même pas mal de factions. Et pas mal. Il y en a énormément. Donc un peu pour tous les goûts, quoi. Je vais pas vous les présenter là maintenant.
Ben voilà, c'était une petite vidéo comme ça pour vous aider. J'espère que ça vous a plu et si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, j'y répondrai. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour un live. Bye, c'était Veil.